strengthen me. Your suffering will be legendary, even in hell. Even in hell. Bonsoir à tous. Partie 5. Partie 5, ce tonique et effrayant Evil Within. Premier du nom. On va tout de suite démarrer les hostilités. Pas besoin de faire un préambule qui dure 4 heures. On en était exactement là. Hein. J'ai mis la console sur pause. Alors vous voyez, ici on n'essaye pas de tricher. Allez, c'est parti. Est-ce que le son c'est bon? Oui, ça m'a l'air bien. Donc là, on était censé suivre Breivik. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Et Anders Breivik. On a eu un petit flashback quand il était môme. Voilà, c'est ça. Salut The Losers Bands. Bienvenue à toi. J'espère que tu te portes bien. Alors t'as vu, j'ai pas fait les choses à moitié, je t'ai suivi sur tous tes réseaux sociaux. Je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Cinématique. Poésie. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est moi qui joue. C'est moi qui joue là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous appliquer les mêmes choses. Ah oui, voilà. Oui, non, je sais, mais j'ai pas le temps. Je m'en souviens, je m'étais fait baiser dans la première run. Et là, j'ai pas envie de me faire avoir. Merde, mais tiens, je dis ça, je me fais baiser, bien sûr. Qu'est-ce que je fais là? Je stresse. C'est bon, on peut passer. Ma première run, j'avais pas vu les cadenas. Ouais, c'est bon. Allez, du premier coup. Premier coup là. Et quoi? J'étais en train de regarder mon stream deck. J'ai cru que c'était bon, que c'était la cinématique. Qu'est-ce que je suis. Vous allez voir qu'ils vont me remettre bien loin.
Salut Silenzo, bienvenue à toi. Le chien vous n'a même pas salué The Loser Band. Allez, tu salues The Loser Band et Silenzo s'il te plaît. Oh, faut tout refaire. C'est des coquins quand même. Hein. C'est des coquins, hein. Oh putain. J'avais tout bien réussi. J'avais brillé. Alors commence. Hein. Non, c'est pas par là. Allez, là, évidemment, j'ai plus d'endurance. C'est bon, c'est bon. C'est une affaire qui roule. Oh, mais je fais attention et je me le prends quand même. Allez, on se fait pas avoir. Mais allez! Après c'est ridicule. Oui voilà, là j'ai pas continué, j'ai cru qu'il y avait une cinématique. Alors qu'en fait faut que je cours. Ah j'en suis désolé. Ce genre d'erreur, j'en suis le premier affecté. Hein. Nulle à toute. Ça veut dire que ça signifie. Quelle est cette diablerie? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici? Oui, ça c'est une très bonne question. Pourquoi on m'a fait venir ici? Alors je suis plus loin que toi, Silenzo. Mais parce que, parce qu'on stream tous les soirs, peut-être. En fait, le problème de streamer, tu vois, Silenzo, c'est que Silenzo, je ne sais jamais. C'est qu'on a un devoir de résultat. Alors je suis obligé d'avancer, quoi. Sans cesse, une fuite en avant, le streaming, hein, tu sais. Alors oui, je dois être un peu plus loin que toi. T'en es où, toi? On sache un peu. Dernière fois, bon. Je me souviens, t'avais peiné sur le chapitre 6. Courageusement, t'étais revenu en arrière. Et finalement, battu le mec avec la tronçonneuse, hein. Maintenant, t'en es où? On est au chapitre. Je sais pas. Je fais le tour parce qu'il y a toujours des trucs à looter quand on fait le tour dans un jeu vidéo. Vous savez. Ah, t'es au même chapitre. Bon, très bien. Mais je suis quand même plus loin que toi. Ah, Laura! Je me rappelle, The Loser Band m'avait parlé d'une Laura. Je sais que tu es là. Ah, d'accord! Je t'entends respirer. C'est elle? Ah, d'accord, mais j'ai jamais fait le lien. Ah, t'es dans le manoir? Bon, oui, on y était hier. Avec les trois portes. Avec, enfin, les trois loquets. Ils croient pouvoir acheter toutes nos terres. Il faut qu'on leur montre qu'on va pas se laisser faire. Alors ça c'est une dénonciation calomnieuse du monde rural, hein. Je suis désolé. Le mot qui en vient, on n'est pas comme ça, hein. On n'est pas des barbares. On sent bien qu'ils veulent se venger là. Un peu facile hein, quand on est parisien là, de se moquer des fermiers là. Moi je viens du monde rural, on n'est pas comme ça, on met pas de l'essence sur les granges. Moi j'ai rien entendu. Ah tu flippes trop? Qu'est-ce que... Eh oui, Laura est apparentée avec Anders Breivik. Je le savais point. Au secours! Ouvrez la porte! Mon dieu, les fermiers les ont brûlés. Brumel! Tu dois grimper! Merde. Faut pas que je reste ici. Ah bah non. Par où on passe? Là. Ah oui, merci de me répondre si vite. Alors attendez, parce que j'étais mort là ici, hein, je me souviens bien. Comment on monte? Faut déjà faire ça? Oui, j'imagine. Je sais rien. Attends, je vais vous lire. Là, je suis loin de mourir. Pas tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous m'avez marqué comme saloperie? Ruvik te fait des apparitions sur Ribouy. Anders Breivik, moi je l'appelle Anders Breivik.
Et après, comment on monte? Ah, faut tirer, mais oui, je suis con. Non? Ah non, mais là-dedans. Eh oui, je suis un génie. Il me trompe dans mes touches. Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Oh, ça n'arrête pas, j'enlève la caméra, je la remets. J'y vais là parce que j'ai vu qu'il y avait un petit truc. Allez, prends là, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oula, eh oh. J'aimerais bien le brûler, lui. Je me fais toucher par quoi, là? Ah, il y a une petite seringue. Vous le tirez dessus, lui, là? Non, non, faut se débarrasser des ennemis. Ah, je vais me faire avoir, là. C'était sûr. Ah, c'est bon. Ah d'accord, Anders Breivik, il est venu pour sa sœur. Ok, tu continues, Silenzo. Bon, très bien, je comprends, ça va te spoiler là, si tu restes. Ah, il est angoissant. Évidemment. Ah, il a pas pris perpétuité pour rien. Hein. Anders Breivik. Bon, une bonne petite séquence, Lagrange. Pour vous, mais moi. Ça dure pas longtemps, mais c'est bien, il faut pas plus. Cette folie, voilà, qui manque dans le 2. Mange un peu. Il faut que tu gardes tes forces. Mais enfin. Je veux... Béatrice, on en a déjà parlé. Il m'arrive d'entendre sa voix. Au sous-sol. Oui, par contre, je ne savais pas du tout le lien de parenté. Enfin, j'avais pas fait le titre. Enfin, j'avais tilté que c'était sa sœur, évidemment. Mais j'avais pas tilté que c'était le monstre. Non, on peut pas ouvrir. J'avais pas tilté que c'était le monstre à quatre pattes, là. Hein. On s'est pas trop mal démerdé, ça va. Mis à part que à chaque fois dans mon dos, je me suis fait avoir par le feu en voulant trop reculer. On passe par là, là. J'ai l'air d'être une évidence. Ah, ça se referme. Bon bah du coup, chapitre terminé. Voilà, on était à la fin du chapitre. Petite save, évidemment. Petite save de formalité. Voilà, chapitre suivant. Ah oui, voilà, d'où le fait qu'elle craint le feu. Mais vous voyez, tout fait sens. Tout fait sens, évidemment. Mais oui, j'ai pas pensé, moi, que la première run à ça. Je me demandais d'ailleurs d'où venait ce monstre un peu à la Ring et tout. Mais maintenant, voilà, j'ai compris, c'est sa sœur. C'est très bon, c'est très bien, ça me plaît. Bon, on se soigne, hein, par contre. On en a combien? On en a qu'un. Non, puis on a looté un petit peu, ça s'est pas trop mal passé. Mais, hop, vu qu'il y a un changement... Il y a un changement d'angle de caméra, du coup le bas devient le haut, du coup il remonte. Eh, vous avez vu le petit dessin là? Pas le temps de bien le regarder, mais c'était un dessin d'enfant. Oui, gros éclair de lucidité. Hein. Toujours. Toujours, j'essaye de pas perdre le nord. Ah oui? Je me souviens plus. Combien en as-tu tué, Ruben? Ça va me plaire alors. Ruben. Il parle de Ruvik?
Ça n'a aucune... Les outils de l'artisan, chapitre 10. Je n'ai fait que leur donner ce qu'ils méritaient. Et ils sont morts avec honneur, en m'aidant dans mes recherches. Ce ne sont pas de simples recherches. D'après les rapports, tu as fait subir des horreurs à ces gens. Ces pièges... Ces vermines... Ces microbes... Je me sers d'eux, comme il me plaît. Mais vous avez raison. Ce ne sont pas de simples recherches. J'approche de la perfection. C'est répugnant. Mais c'est ma volonté.
Putain, mais j'avais complètement oublié de remettre la caméra. Mon dieu, excuse-moi. Ça m'arrive encore des fois, hein, je me trompe de scène. Autant pour moi. J'étais pris dans le truc, j'ai pas fait gaffe. Merci de me l'avoir indiqué. Bon, vous avez rien loupé de mes commentaires, c'est... Alors du coup, je sais plus par où je viens, évidemment. Tu veux plus nous parler, je me suis dit merde, comment ça se fait qu'il me marque ça? Alors j'arrête pas de dire des conneries. Qu'est-ce que c'est ça? Batterie. Cette grosse batterie peut alimenter des appareils électriques en cas d'urgence. Bah là, on est en cas d'urgence. Si, si, évidemment que je vais vous parler. Je suis un garçon qui a besoin de partager, hein, c'est... Allez, allez. Mais bon, d'accord. Ok. J'ai compris. Mais non. C'est pas sérieux. C'est un jeu qui est pas sérieux. Respecte personne, respecte pas le joueur. J'aurais dû faire gaffe à ma vie. Quand j'ai zoomé, je pensais pas qu'il allait se mettre debout. Moi, je voulais me mettre... Ah bah ça va, là ils sont sympas sur la save. Ils partent du principe que... Quand on prend la batterie d'urgence, ça save. Bon, très bien, ça m'arrange. Bon, cette fois on se fait pas avoir. J'ai eu peur qu'ils me remettent très très loin. Regardez, on va les baiser avant qu'ils nous baisent. Voilà. Ah, ça fait mal, bah voilà. Il y en a un deuxième. Oh merde. Oh putain, je voulais me baisser. Mais baisse-toi. C'est pas possible d'être con comme ça. C'est bon, on va l'avoir. Voilà. C'est comme ça. Ôtez-vous de la tête de ce que vous avez vu juste avant. C'est ça qu'il fallait regarder. Bon, il y a quoi en bas là? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas déblayer un petit peu le chemin? Bon, allez. T'inquiète, c'est que j'ai plus de vie. Truc explosif, mais c'est pas un peu excessif? Puis la batterie, je sais pas du tout la mettre. Pas du tout la mettre. Lui, on le brûle. Mais ça, c'est dégueulasse. Bon, si je me souviens bien, on reste allongé. Y a rien de particulier ici, hein, c'est biaisé. Ah, c'est pas le bon adjectif, biaisé, vous avez compris. Allez, on le fait bien là, au prochain. Normalement, lui meurt, hein. Mais je me suis fait avoir par quoi? Il y avait un piège. Et il va se relever pile au moment. Non, c'est bon. Mais je lui ai mis un coup de hache. On s'est pas fait avoir. Oh là là, vous avez vu ça? Mais baisse-toi. Mon dieu, le stress. Et pourquoi il se relève quand il fait un truc? J'ai plus de vie, j'ai plus rien. On est venu là? Bon. Ça va être compliqué, hein. On va mourir par notre... Non, c'est bon. Il est pas mort!
c'est pas mal. C'était super chaud, oui, oui. Bon, c'est pas terminé, hein. C'est bon, c'est ouvert. Ah, il nous file du snipe. 20. Ah non, 3. On va y arriver, hein. Si on fait pas trop le bête. Déjà là, quand on est là, est-ce qu'on en voit? Le problème, c'est que quand il vise... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui a explosé, bordel de... Mon dieu, mais mon dieu! Qu'est-ce qui a explosé? C'est comme tout à l'heure, il y a quelque chose qui a explosé, mais je le... Il n'y a même pas de tit. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils me remettent là, c'est... C'est pas normal. Oh non, mais je tire dans le mur. Allez, j'attends qu'il se relève, là, je me fais pas avoir. Mais merde! Et je l'avais là, hein. C'est un peu agaçant. Il y a des moments, les hitbox, hein. Lily, t'as vraiment rasé la tête. Je parle pas de toi, évidemment. Oui, oui. Mais c'est ce qui s'est... Mais c'est ce qui s'est passé. Tu crois que c'était un choix d'avoir la tête rasée? Absolument pas. On recommence. Ah oui, je suis désolé monsieur, mais là, au grand remède, hein, les grands moyens, hein, comme on dit. Mais il y a quand même des petites latences de... Mais voilà, il a encore lâché la hache, hein, c'est fou. En fait, ça explose les trucs rouges. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, il y a quoi? Ok, il reste allongé quand je fais ça. Ok. On va se mettre un soin. Hein. Mais putain, il se met un soin, il se relève. Non, mais c'est complètement con. Non, mais sans déconner. Il peut pas s'injecter. Là, comme ça, allongé. Enfin, agenouillé. Sans déconner. Alors bon, moi, pour te répondre, au niveau de ma chauvitude, quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'est un trop plein de testostérone, en général. J'ai des poils partout, sauf sur la tête. C'est malheureux, hein. À 26 ans, moi, j'avais les cheveux longs, hein. J'avais les cheveux longs dans le bas du dos. Autant te dire que c'était un grand choc. Obligé de tout raser. Je suis pas le genre de mec à faire dans la demi-mesure, hein. Donc depuis l'âge de 26 ans, bon, bah, j'ai le crâne rasé. Voilà. Non, la bouteille, on s'en fout. Désolé de vous le dire. Non, ça fait trois fois. Là, c'était ridicule, le fait de mourir parce qu'il se relève. Personne ne ferait ça, voilà, c'est ça. Personne ne se soignera. Mais il est plus là. Le jeu a estimé que j'étais trop nul. Il m'a enlevé un ennemi. Hein, il est plus là. Bon. Le jeu a estimé que j'étais trop nul, hein. Bravo. Puis là, c'est pas un problème de skill, hein. C'est un problème de... Bah, de contrôle. C'est moi qui... Oula, 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 oula. Ah oui, voilà, il y a une bombe ici. Et comment on la désamorce? On peut pas la désamorcer? Ah si, putain, j'ai peur de tout maintenant. J'ai quel âge maintenant? J'ai 42. Le mois prochain, j'ai 42.
Je propose de renier ce passage. Bientôt, il va proposer de baisser le... Ouais. Putain, on est revenu là. C'est quand même... dramatique. Allez. Désolé. Hein. Et là, quand il loot le truc au sol, c'est pareil, ça va... S'il se relève ? Non, c'est bon. J'ai combien de... Il m'en reste 3. Il y a 3 ennemis, ça devrait le faire. Allez, on y va vraiment tout doux, là. Désolé. Il nous reste une balle. Ça va être pour Maximilien. C'est bon. Alors vous allez peut-être me trouver petit joueur. Non mais on peut passer sans le déclencher ça. J'allais tirer dessus hein. J'ai pas envie de perdre de la vie. Bon allez c'est bon ça. Allez la porte elle est juste là, on peut le faire. J'ai pas le courage de finir le chapitre, je préfère me faire spoil. Ah oui soin. Bon. Eh ben bienvenue. On va te venger. Ah c'est tentant. On est con ou on n'est pas con? Bien sûr qu'on est con. Eh oui, voilà. À un moment donné, faut prendre son destin en main. J'en soigne ou pas? Non, pas encore. Parce que mes soins me redonnent énormément de vie. On va se faire assez plein. On aurait dû optimiser. J'en ai que 3. Soit un carreau et puis voilà. Ah, Anders Breivik t'a traumatisé, mais ça je peux comprendre. Il a traumatisé toute la Norvège. Bon, on se fait pas avoir comme des cons là. Alors attendez, il y a un truc à exploser hein, tout à l'heure. Oui voilà c'est ça, j'avais pas vu, mais quel idiot. Fallait juste passer là. J'ose même pas prendre ce truc là, j'ai peur qu'il se relève. Attendez, j'attends que la pale passe. Ouais c'est bon. Ah, je me suis vraiment fait avoir juste comme pour une connerie hein. Allez voilà. Ah mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde! Là, on est au chapitre 9, ouais. Non? Je sais plus. Le chapitre 9. Je crois, hein. Qu'est-ce que. Mais oh! Mais j'ai pas envie de descendre moi du coup. Personne descendrait, on est d'accord, personne descendrait après avoir vu ça. Oh je te crame toi. La vieille. On a... Mais vous savez quoi, je les crame. Je sens qu'ils vont m'emmerder pour le retour ou quelque chose. Je suis parano peut-être mais... Ah bah un petit truc électrique. Bah vous savez quoi, on va l'équiper parce qu'en général quand un jeu vous donne quelque chose, c'est qu'il va falloir l'utiliser. Voilà. Normalement c'est ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. Bon, en plus on est remboursé de nos allumettes. C'est le meilleur des mondes. Chapitre 10, bon d'accord. Oui j'ai même pas fait attention, merci. Ouh là 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 là. Je me souviens moi ici hein. C'était coquin. Déjà l'idée c'est toujours bien recharger hein. De pas être désœuvré quand on se fait attaquer. Vous savez quoi là? Ah j'ai oublié un truc. Oui. L'idée là c'est quand même de se remettre de la vie. Parce que je sens que ça va être coquin. J'ai pas envie de mourir bêtement. Je regarde rarement ma vie. En
plus, on est remboursé, il nous en file une là. Et puis on va commencer par le commencement. Bon là il va me dire que je peux pas, voilà. Évidemment. On va commencer par le commencement. Ah bah en plus j'ai loupé ça, très bien. Une balle. Hein. Mais bon, une balle est une balle, hein. Comme un sou est un sou. Ah bah c'est toi qui me spoil maintenant. Un boss. Faut pas que ce soit un boss, c'est une... C'est un peu une fuite aussi, hein, non? Un peu de tout, là. Là, il y a un peu de tout, je crois. Hein. On passe à gauche ou on passe à droite? Putain, mais il y a plein de trucs à looter, en fait, ici. Excusez-moi, mais... Un peu mon temps, mais je... Allez. Moi, ce que j'aime bien avec le snipe... Déjà, c'est d'avoir des balles. Là, j'en ai pas. On le tente ou pas, là? Pourquoi ça m'agace, ils explosent pas avec le... Ils explosent pas. Les pièges ne les prend pas en compte. Il a pas voulu le cramer. Oula, il y en a un autre là. Et j'ai plus de balles. Attendez. On va faire ça bien. Putain, mais évidemment, évidemment. Allez, on les crame tous. Et voilà, c'est du bien joué ça. Ah, mon chien, t'es content. Merci, hein, l'idée de l'électrique. Hein, c'est vrai que... On peut optimiser beaucoup mieux, hein. Notamment le fait de les cramer, quoi. Bon, c'est déjà plus serein, maintenant. Il m'agace, lui, hein. Oh, mais... Ah bah, j'aurais pas dû dire du mal de lui. En fait, vous voyez, quand je vois ces petites bombes-là, elles me retirent tellement peu de vie qu'à la limite, on pourrait se les faire exploser sur la tronche, ça nous tuerait les ennemis. Je sais qu'il faut que j'aille à gauche, hein, mais je crois que j'ai oublié un truc. Putain, j'aurais dû prendre la grenade. Ça c'est un truc qu'il faut qu'on s'équipe, hein, c'est la grenade. À chaque fois il me propose des grenades et j'en ai 4. Où c'est que je peux foutre ça? Sur le fusil à pompe. Faut pas qu'on hésite. Hein. Faut plus qu'on hésite. Et puis aussi la lanterne, à chaque fois j'oublie. Et voilà. Bien joué ça. C'est labyrinthique, hein. On va y arriver. On va y arriver. Là, je vais me refaire une explosive. Bah, allez, je me refais une électrique. Allez. Ah, on a vu que c'était quand même drôlement efficace, comme nous l'avait dit Brothers Band. Il avait raison. Putain, après, pour venir, je puis me souvenir. Évidemment, je ne vais plus me souvenir de rien. On va plutôt prendre l'électrique. Oh, les pièges. Je sens que ça va hurler dans mon casque. Je me souviens, hein, de ce passage. Ah, 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 ah. Qu'as-tu dans ton panier, là? Il y a un piège ici. Ah, voilà. D'accord. Et c'est juste pour se cacher. Ah, j'ai fait tout à l'envers. Donc c'est ici qu'il faudra mettre la batterie. Bon, on va essayer de se souvenir. On va essayer de se souvenir du chemin. On a fait le chemin inverse. On va essayer de se souvenir. Ça va, je peux pas y arriver de me souvenir. Et j'en recharge ça. C'est entre les deux. C'est face aux deux trucs comme ça qui tournoient.
Ouais, c'est ça. Là, par ici. Ah, c'est compliqué, hein, quand même. Ils l'ont fait exprès. Ouais, ok, on fait le tour, là. Ok. Allez, allez, allez. Vous voyez, tout temps perdu, comme je vous le dis souvent, et du temps gagné. Là, on sait déjà où on va falloir foutre le truc. Pas trop le con. Ok, donc là, il a... Ah, il y a une ambiance ici. Ah oui, on en vient, on en vient, on en vient. Alors, c'est par là. Ah, les carreaux sont primordiaux dans ce chapitre, ouais, pour les ralentir. Mais... Non mais voilà, elle est là en fait. Ça va, ça va. Bon, on s'en occupe pas, hein, du truc explosif. Hein. Là, j'ai envie de faire... Voilà, c'est par ici. Je me souviens. Quand ça devient un peu sépia. Et qu'il y a le filtre Instagram sépia. Alors là, on peut même courir. On sait que c'est par là. Ça. Bon, il y a un point de contrôle, bon, c'est déjà pas mal. On n'a pas envie de tout refaire. Là, le piège. Ah, il y a quelque chose ici. Il en faut deux. Ah non, c'était là. Oh mon dieu. Salut Nick Taras. Bon, ouais, ça va être sympa là. T'es prêt, Nick Taras, pour la mort en boucle? Mais qu'est-ce que je fous? Mais pourquoi? Ça commence bien. Excusez-moi, madame, mais là, on n'a pas le temps. En plus, j'ai dit qu'il fallait que je prenne mes trucs électriques, et je ne fais rien. Ah, il y a une statuette. Et quoi, il veut pas? Il veut pas. Il va se faire avoir là. Il est trop con. Ça nous arrange. Comment on l'a cette statuette? Bon, on laisse tomber. Et il y a autre chose. Ça, ça nous intéresse aussi. Je peux pas lui tirer dessus. Pourquoi il peut? Pourquoi Sébastien ne peut pas tirer quand il est agenouillé? C'est terrible. Là, il y a des strats à faire, ouais. Bah, j'ai vu ça en speedrun. Il est venu pour me voir crever, merci bien. Pur plaisir. Allez. Mais je peux pas. Mais c'est quoi ce délire? Je peux me mettre debout? Mais c'est... Ah non, il veut que je passe. Ouais, ok, ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a du gel. Qu'est-ce qui s'est passé? Night job, bah oui. Non, je pouvais pas me lever, malheureusement. C'est le jeu Lucette. Ouais, voilà. Non, malheureusement, je peux pas me lever. C'est des salauds. Comment ça se fait qu'ils me remettent là comme ça? Alors qu'on avait déjà fait le piège. Ça tient pas debout. Vous le savez vous, hein, qu'on avait déjà fait le piège. Y'a pas debout. Le piège on l'avait fait bien avant. Pas grave.
Il faut connaître toutes les pièces par cœur, tous les pièges. Oui, il y a un petit côté d'Iron Retry. Hein. Bon, attendez. Là, je suis en train de... Ah, c'est là. La caméra est très très proche du personnage et... Bon, toi déjà. La miss, là. Voilà, vous avez vu ça? Il est mort, lui, là. Non, je veux ramasser la hache. Et on reprend le truc électrique. Ça nous a été très utile. Il a relâché la hache, évidemment. C'est fou, hein? Il lâche la hache quand je... Ok. Bon, elle nous ennuie, hein. Je suis désolé. On va y aller tout doux. Voilà. On va pas stresser. J'ai envie de réussir. Allez. Ok. On a plus de balles là. On va se remettre les grenades. On va se... Non, les grenades elles sont bonnes. Ah, on a 50 de mitrailleuses. Hein. Il nous reste un carreau électrique. Ah non, là je suis mort là. C'est bon là. Ok. Par où on passe? Ah, il y a une échelle. J'ai eu peur là, j'étais en train de me dire, mon dieu là. Qu'est-ce que c'est de cette diablerie? Je préfère prendre mon temps là. Ok, là on est au-dessus d'où on était tout à l'heure. Il me dit que je suis plein, bah ouais. Bravo. Ah, j'avais pas vu que tu m'avais marqué nice job. Ou alors je le dis deux fois. Et ça fait plaisir. Et on est reperdu la hache. A chaque fois qu'il prend son arbalète à deux mains, en fait, c'est un petit peu logique. Il lâche la hache. Bon, on peut aller un peu plus vite quand même. Y a rien à ramasser ici. Bon, j'espère qu'ils vont nous mettre une petite save quand même. Hein. Mais je suis tombé où? Ah, c'est sûr qu'à sa place, je poserai la même question. Bon, là, je sens que dès qu'on va arriver là. Ah, c'est bon, il y a une save. Au moins, on aura pu à refaire tout ça. C'est cool. C'est la seule bonne nouvelle. On a un soin. C'est parfait. On n'est pas trop mal. Hein, quoi? Lui, on va le faire au flingue. Ah, il a un petit masque. J'oublie à chaque fois. Oula, non, monsieur. Oula. C'est bon, on peut y aller. Il ne nous laisse pas passer. Attends, on va le refaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était pas le bon. Putain. Le stress. Pas les tuer en plus.
J'ai plus de... Ouais, bravo. Ah, bravo. Bon, heureusement, il y a la save. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. T'inquiète pas. T'inquiète toujours le chien pour rien. Putain, les Torture Souls de Folie Sola. Oui. Ils sont très inspirés. J'aime beaucoup. Bon, la save était juste là, donc ça va. Ça va. Mais c'est moi qui flippais. Ça peut se passer drôlement plus simplement. Déjà, on garde l'électrique. J'aurais pu tout faire. À la limite, lui, on peut le tuer par derrière, là. On le fait jamais. Voilà. Bon, première mise à mort dans le dos. Allez, on va essayer de faire ça bien. Le truc est là-bas, hein. Voilà, ok. Ok, l'idée c'est de se faire les deux. Et les deux sont pas là. Allez. On peut le faire. J'ai vu en speedrun, ils le font. Je vais faire autre chose aussi, hein. Faut pas tout refaire. Si, bah faut que je les tue, hein. Je suis désolé. Les voilà qui reviennent. Lâche tout. Putain, j'en ai un de chaque côté. Oulala, extrême limite, je me soigne. Ils sont assez lents, ils font peur, mais ça va. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah, il fait ça, lui. Ah, je suis mort, mais... Il y a forcément moyen de les foutre dans un piège, ces deux-là. Je crois qu'il faut évidemment les mettre hors d'état de nuire, mais je crois qu'on peut les électrifier, je crois, et on a largement le temps. Enfin, j'ai vu ça en speedrun. Le coup du cœur électrique, c'est ça, mais genre quand ils sont loin et toi à côté de la manivelle. Voilà. En fait, on a juste le temps. C'est exactement ça. On a juste le temps et pas de plus. Là j'étais pas loin. Bon lui on se le sneak et non que dalle. Putain et je me fais avoir. Et... Ah c'est pas simple. Voilà. Genre on va se mettre là. On va les attendre. On peut les poser au sol. Voilà. C'est ça. Je me souvenais plus qu'on pouvait mettre au sol. Ça nous laissait un peu d'avance. Putain. C'est baisé là. C'est baisé. Pourtant, je l'ai bien fait là. Merde. Il meurt jamais. J'ai plus de balles.
je suis désolé. Hein. On va le faire un peu à la dégueu, mais... Mais qui, c'est lequel qui sonne comme ça, qui me stresse? Merde! Putain, mais me tue, oh là là. Bon, c'est pas plus mal parce que ça me faisait perdre tous mes trucs. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, hein. L'électrique. Je suis désolé, là, il y a un petit passage un peu à vide, c'est pas simple. Et c'est surtout que je maîtrise pas très bien le gameplay, et c'est difficile de passer une arme à une autre. En plus, je vous mens pas, à chaque fois, au niveau des raccourcis, je change l'emplacement des armes, donc je ne sais plus où elles se trouvent. Déjà, on va se faire celui-là, en le sneakant. Ok, à la dégueulasse, quoi. Ouais, il y a une bombe et tout me stresse, hein. J'ai le casque à fond. Là maintenant je me fais les caisses parce qu'il y a quand même un petit peu de mucus qui nous intéresse un peu. On a une électrique, hein. On peut pas déconner. Allez, on y va. Putain. Non mais là c'est trop tard. Là c'est trop tard, putain. Là c'est trop tard. Munition. Alors ça sert à strictement à rien. Ils vont quand même crever là à un moment donné. Ah, je l'ai loupé. Ah, j'ai de la grenade. Mais c'est pourquoi j'y ai pas pensé avant. Faut que tu attires les deux vers le save. Ah mais c'est pris les deux explosions là. Bon par contre si on les loot, c'est le seul bon truc, c'est qu'ils nous filent 6000. Oh j'ai cru que j'allais crever. J'ai cru qu'elle allait m'avoir. Bon on a réussi quand même. Oh la double, oui oui là ça a été très beau. Bon c'était pas du tout ce qu'on voulait faire, on est dans la merde. Mais bon on a réussi. Oh là là c'est la détente là. Bon, le seul point positif, voilà, c'est ça, c'est que ça nous file 12 000 de mucus vert. En speedrun, ils le font sublimement, hein. Bon, et par contre, ça a pas save, alors là, faut pas que je fasse trop le malin. Ça, on s'en fout complètement. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils sont morts. Alors, il y en a peut-être d'autres. 12 000 de mucus, merde, c'est quasi une semaine de morve. Je sais pas si t'es drôle ou si c'est parce que je suis stressé que ça me fait rire. Un mélange des deux. Bon, faut pas mourir ici, hein. Ah ben on y est. Allez hop. Allez, on reste pas plus longtemps dans cette maison de fou. Maison de fou. Mais la double était jolie quand même, hein? Le fait de le faire exploser et que ça fasse exploser le truc derrière lui, là le combo. Ah là je me fais pas avoir. Ah non, c'est bon. Cinématique. Absolument pas, j'ai pas le temps de fumer évidemment. Ah, Silenzo qui part pour la seconde fois, dis donc. Allez, bisous Silenzo. Et courage, je suis sûr que tu peux le passer. Maintenant que t'as vu comment faire, maintenant que t'as vu du pro gameplay, vraisemblablement, tu peux y arriver là. Ah, c'est Anders Breivik qui nous fait de la lévitation là.
Là, je suis à la grenade, hein, vous avez vu. Bon, on a 12 000. Je l'entends sur ma gauche. Je veux upgrader Il est où le petit miroir? Petit miroir, mon beau miroir. Voilà. Bah, c'est pas ça, non? Ah, on a trouvé quelque chose, c'est un carnet secret. Journal de Sébastien Castellanos, 27 février 2012. J'ai déjà perdu des amis et des collègues. Cela fait partie de notre travail, et ce n'est jamais facile. Mais perdre son enfant est une expérience traumatisante. Je donnerai ma vie un million de fois pour pouvoir l'éviter. Mais je ne peux pas. Quand le petit cercueil a été inhumé, je me suis senti infiniment impuissant. La douleur était insupportable. Je sais que je ne devrais pas, mais seul l'alcool m'aide à m'endormir depuis plusieurs semaines. Ça dit ? Je me fais du souci pour Mira. Une fois le choc initial passé, son deuil est devenu particulier. Elle souhaite être seule et veille toutes les nuits. Elle dit qu'elle travaille pour s'occuper l'esprit, mais on dirait qu'elle se renferme complètement sur elle-même. Je sais très bien ce qui arrive généralement aux couples qui perdent leur enfant, et j'espère que nous serons assez forts pour éviter ça. Il fallait lire la petite chose pour avoir accès au petit miroir. On retourne vite fait voir la nurse. Oui, c'est une excellente idée, mais ce jeu a d'excellentes idées. Hein, Ah, hop, à chaque fois je me trompe de direction. Hop, la nurse, salut. Vous avez oublié quelque chose ? Oui, notre slip. Vous l'auriez pas vu ? Elle préférait pas me répondre. Ce que je peux comprendre. Professionnalisme avant tout. Bon, on a 30 000, hein. Non, ce jeu est rempli de fun et de bon gameplay, voilà. Les carreaux explosifs, niveau 3, évidemment. Les carreaux électriques, attendez, j'ai combien? Là, c'est 4500. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les carreaux harponneurs. Ils sont faciles à faire, donc on les maximise. Les carreaux aveuglants, allez, carreaux électriques pour faire plaisir à... The Last Band Theory, non, The Last Band. Tu l'intimides, évidemment. Évidemment, mais j'intimide tellement de monde. Ça, c'est des choses qu'on n'allait jamais faire. Hein. Le cœur immobilisant, je suis pas fan. Je préfère faire autre chose. Non, les grenades, souvent, on peut pas en porter plus. Alors, je fais niveau 3. Les seringues, on est au maximum. Les allumettes, on est au maximum. Fusil de précision, oh, on en a pas tant que ça. Hein. Non, moi, je veux porter plus de... Ah, j'ai une médaille. C'est-à-dire que j'ai tout fait. Eh oui. Bravo. Comment je passe à l'autre arme? Ah voilà, comme ça. Mais ça c'est le magnum, on s'en fout. On l'utilise jamais le magnum. Il est très bien, mais... là on est bon. Cadence de tir magnum. De fusil à pompe, voilà. Alors, excusez-moi, je passe un petit peu de temps. Mais c'est important. Voilà. Pareil, cadence de tir. Vitesse de rechargement aussi. Allez, c'est bon, on se casse. Excusez-moi, là, j'étais obligé. En plus, j'ai envie de tout upgrader, vous voyez. J'ai envie de finir le jeu avec le... Il y a certainement un petit trophée, un petit quelque chose, un petit bonus. Maintenant, tu me fais peur. Ah, j'étais un petit intimidé quand j'étais petit. Bah, j'espère bien. J'espère bien que je t'intimidais quand t'étais petit. Encore plus que ça. Et maintenant je te fais peur, bah c'est parfait. C'est la suite logique de l'angoisse. Oulalala. Et voilà Laura. Parce que tu n'étais pas la Nictaras, mais on a fait le lien. Enfin on a fait le lien, c'est plutôt The Loser's Band qui nous a fait le lien. C'est que c'est Laura, c'est la sœur de Anders Breivik. Y'a quoi ici? Je peux pas. Hein. Bien sûr que je pourrais te confier mon gosse. Bon, peut-être pas maintenant parce qu'il est tout petit, mais si, j'ai confiance en toi quand même. Alors. Non, je te confierai la photo de mon gosse. Voilà. Faut dire la vérité. Je te confierai la photo de mon gosse. Peut-être pas mon gosse. Voilà, Laura c'est la frangine de Breivik, mais on a une cinématique. Allez, 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 allez. T'es pas sérieux là?
Oui, on a une cinématique dans une grange, ils ont cramé. Les villageois les ont attaqués. Parce que, a priori, ils aimaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et du coup, sa sœur a brûlé et Breivik aussi, un petit peu. Mais moins qu'elle. Allez. Et lui, il s'est transformé en espèce de monstre revanchard, un petit peu comme toujours. Là, j'ai fait une énorme connerie. Hein. Énorme connerie. Là, j'ai Laura. J'ai Laura Palmer. En plus, je suis dans la... pas du tout là où je devrais être. Ah, ça va être bien, là. Ils peuvent pas rentrer. La grenade. Comment on peut faire, là? Oh là là, oh là là. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Mon avocat m'a dit qu'il faut qu'il faut aussi éviter les photos d'enfants. Là, c'est un miracle ce qui s'est passé. Hein. Le coup de la grenade était bien vu quand même. Ah, quand même. Ça en a pensé, toi. Évidemment. Il s'intéresse pas à ce qu'on fait, mais quand je lui demande son avis, bon, en général, il me soutient. Dans le doute, il me soutient. Parce qu'on a... C'est les vrais amis, ça. Ok. Alors, excusez-moi pour hier. Hein. Là, je vois que vous parlez... j'ai loupé 2-3 trucs. En fait, c'était pas le club des paumés, le club des ratés dans ça, voilà. Hier, je vous disais que je connaissais pas le film et tout, mais parce que j'ai loupé vos messages. J'ai regardé la VOD, évidemment. Hit, je connais. Mais j'ai pas du tout... J'ai loupé tous les messages à chaque fois où vous parliez du film. Vous l'avez marqué plusieurs fois, mais... Alors, je voulais m'en excuser, voilà. Je voulais vous demander pardon. Pardon. Évidemment, je connais. Je comprends mieux maintenant, après, pourquoi vous avez parlé du clown et tout. Alors là, il y avait quelque chose à faire. Au niveau d'une petite manette. Hein. Ah voilà, bon, non, faut juste attendre. Il s'est vraiment arrêté là où je peux y aller ? Non, 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 ouais, j'étais un petit peu occupé. Et, mais par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'à chaque fois, vous m'avez dit « Non, c'est le film Hit, c'est ça. » À chaque fois, je loupais le message. Donc j'étais toujours sur un prétendu film qui s'appellerait The Loser Band, je comprenais que dalle. En même temps, quand The Loser Band a parlé qu'il avait peur du clown, je me suis dit, mais c'est dans Hit ça, le clown, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que c'est que ces cons. Qu'est-ce que c'est que cette communauté encore là, qu'est-ce que je me tape, c'est ça que je me suis dit. Bon, les enfants là, on a allumé ça, ok. Ah, vous avez vu là ici? On est intéressé, nous. Faut absolument qu'on aille là. Comment on y retourne? Comment on y va? Tout simplement en y allant? Non, pas du tout. Ah non, ça sera après. Ça sera plus tard. Comment on passe? Là, il faut tirer dans un truc, là. Hein. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, voilà. C'est une belle communauté de galériens, pour sûr, pour nous, des rames et un... et on t'emmène aux accords. Et voilà, Laura is back. Bien sûr. Je l'aime pas du tout. Hein. Elle me fait peur. Et je flippe. Là, on a eu un bol fou qu'elle nous attrape pas. Il est où, il est où, il est où? Ah, mais non, c'est pas il est où, c'est un levier là. Est-ce qu'on peut tirer dans les leviers? Ça serait tellement bien. Ah, je l'ai cramé là. Il est où le levier là? Oh là là, tout est fait pour stresser là. Je l'ai pas vu le petit levier à tirer dessus. Oh putain. Bon, c'est du Die and Retry là. Hein. La peur ancestrale de l'araignée, oui, voilà. Je suis pas arachnophobe. Ouais, un peu comme tout le monde, j'aime pas les araignées, voilà. Mais je suis pas arachnophobe. Là, s'il y a une araignée qui est là, bon. Je suis pas à l'aise, mais bon, ça va, je la tue, quoi. Pas trop ça. Quand ils ont des trop longues pattes, ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Moi qui viens de Normandie, on a eu l'habitude des araignées.
C'est le fait de vivre à Paris et après on se déshabitue. Allez, on fait ça bien. C'est-à-dire qu'on fait pas comme j'ai fait. Il est où là, elle est où la manivelle? Là on l'a cramé, d'accord, mais après elle est où la manivelle? Je la vois pas. Qu'est-ce qui m'emmerde ce truc? Je la vois pas la manivelle à tirer dessus. Est-ce qu'on a, on a un truc électrique? Non, on a que dalle. Elle est où Laura? Putain, mais je ne vois pas le... Alors je, là, le éclairage, j'ai pas le temps de te lire. Hein. Là, franchement, je... Non! Je ne vois pas où est le truc à tirer dessus. Mais ça s'est arrêté ici. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Fallait juste qu'on attende un tout petit peu. D'accord. Le pire jeu, le pire boss selon toi. Moi, je m'en souviens aussi un peu. C'était pas bizarre, hein. Mais merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, quel con, c'est exactement pas ça qu'il fallait faire. Allez, on fait le grand tour. Bien, allez, fais le tour. Bah, Laura, si tu mets pas du tien. Ah non, non, mais elle est très très réussie, hein. Ça fait flipper, hein. Quand on joue tout seul, là, vous êtes avec moi, donc ça va un peu mieux. Je l'ai pas eu, putain, mais... En fait, faut juste attendre. Faut juste qu'attendre que ça s'arrête tout seul. Ah, c'est ça, hein. Voilà. Non, mais il y en a un deuxième. C'est quoi ce délire? Je comprends rien. Faut que je la crame. Ah non, mais maintenant on peut les utiliser qu'une seule fois. Bon, je tire pas dessus, ça sert à rien. Oh là là, je suis obligé d'attendre un tour complet là. Et puis il me reste plus que 2 balles. Ah, mais elle est là, elle est là, elle est là. C'est bon, elle me fait plus peur. Mais quel con, mais pourquoi je prends feu? Hop, petite roulade. Oui, en fait, faut attendre. Bon, ils auraient pu l'indiquer un petit peu mieux, hein. Et là, quoi? Ah si, là. Faut tirer dans quoi? Là, je vois pas. Ah si. Non, mais quoi? D'où, qu'est-ce? Mais non, c'est pas ça, évidemment. Oh, ça m'énerve. Je vois pas, là, vraiment. Je vois pas. Il y a un truc à tirer, mais je vois pas où. Ah, ici. Oh putain, on a du bol, hein. On a eu du bol. Cinématique? Non. Oh là là, point de sauvegarde. Oh putain, elle se l'est prise. Elle est plus rapide ou c'est moi J'arrive pas à voir. Hein. Ça me fait plus peur, mais hein, c'est bon. J'ai compris son pattern. Son pattern, il est simple, elle veut me tuer. Hein. Au plafond entre les ventilos. Ah bah, j'ai pas le temps de le lire. Excusez-moi. J'ai cru que j'allais mourir. On
peut quand même la cramer un petit peu là quand elle se pointe. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut se soigner ? Pas du tout. Regardez, normalement c'est bon là. Voilà. C'est bon là. J'ai tiré dans la manivelle. Non? Non, c'est pas la même manivelle. Manette juste en face du mur, en feu au plafond. Oui, mais ça c'est ce que vous, c'est ce qu'il y avait tout à l'heure. Là, je sais pas quoi faire. Quand je peux le ralentir. Non, j'ai rien du tout. Je vois pas où est le levier. Ah putain, mais on va courir comme ça, comme des cons. Il y en a peut-être deux. Je crois qu'il y en a deux, hein, c'est ça. Levier en face du mur de feu en haut. Non, il y a que dalle. J'en vois qu'un. Bon, ça va, elle est pas bégueule, hein. Ah là. Ouais, mais c'est juste pour Ah oui, non, c'est bon. C'est bon là, normalement on peut passer. Mais non, on peut pas passer. Il y en a combien? Oh là 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 là. J'ai pas le temps de vous lire. Vous lire. Faut suivre les tuyaux en fait. Ah oui, c'est pas con. Oui, c'est vrai que c'est pas con ça. Ah oui, maintenant que je suis les tuyaux. C'est le truc quand on joue tout seul, j'y pense. Et puis quand on est en live, bon bah voilà. J'espère que je vais pas le regretter d'avoir pris les munitions. Ok. Saloperie. Où sont les autres? Je l'ai pas eu là. Mais ça va faire sur quoi celui-là? Oh merde! Ouais, trop tard, je donne tout, mais. J'ai cru qu'elle allait être cramée par mon allumette et qu'elle allait rester sur place et que ça allait lui tomber dessus. Mais depuis tout à l'heure, j'arrivais à l'esquiver en faisant un petit peu n'importe quoi. Je me suis dit, oh, c'est bon, elle me chope plus là maintenant. Tragique erreur. Évidemment. Oula, 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 ça commence direct. À quoi faut refaire ce passage? Bon, c'est bon là, celui-là. Là. J'ai perdu mon froc, j'ai perdu ma tête, j'ai perdu mon pull. Hein? Ça vous plaît? Oh. Ouais, trop tôt, c'est moi qui l'ai fait. Elle a perdu tout là. Il y en a un là. Il y en a un là. Oh putain, là on joue bien maintenant. Si j'avais des électriques. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Voilà.
Comme ça déjà, on va plus être emmerdé. Elle est où là? Mais merde! J'ai mis le feu là, normalement elle est censée cramer. Regardez, elle a le feu sur elle. C'est... Hein? C'est trop beau, bah oui. Mais moi je me souviens que j'avais recommencé plusieurs fois, hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas du haut level streaming. Normalement là on arrive, on tire sur les leviers, hein. Tout se passe bien, mais... C'est pas ça. C'est pas ça, évidemment. Ah bah tiens! Une erreur survenue dans l'application suivante. Ah bah merci de vérifier l'état de l'erreur. Je vous bien sûr que je veux signaler le problème. Ah, les salauds, et j'espère que ça a pris en compte la save. Ah, les petits jeux à la con que vous voyez, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme, c'est... Non, ça y est, c'est trop tard. Je joue au jeu avec des souris, oui. Quand vous êtes pas là. Non, c'est The Mouse, c'est très bon, c'est en PlayStation VR. Il est offert ce mois-ci sur le PlayStation, c'est pour ça que j'ai téléchargé, peut-être que j'y jouerai pas, mais c'est en PlayStation VR et c'est très bon. Il va falloir que je meuble. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout ce jeu-là. Ah si. Je reconnaissais pas l'intro. Ah mais aussi ils aiment le sang. Eh ben moi aussi, alors la mouche. Non mais véritablement, je l'ai téléchargé avant-hier parce qu'il y a, si vous allez sur le PlayStation Store, il y a 4 jeux offerts à cause du coronavirus et il y a des jeux VR et moi j'ai le VR donc je sais que j'avais fait la démo de la Minitel Mouse, c'est très très bon et ma femme avait beaucoup aimé, donc là il est offert, je l'ai téléchargé comme Astrobot, voilà. Évidemment, moi je me suis pris Event Horizon, il est offert, j'ai jamais fait, ça a l'air pas mal. On a tous commencé avec des jeux à la con. Grillé. Ma femme elle a pas du tout 18 ans, elle a 30 ans. Bon ça va, ils sont pas trop dégueux. Eh oui mais moi du coup j'ai perdu tout mon skill. Non mais... Ah voilà. Alors ça c'est le cercle malchanceux ça. Là on est rentré dans une spirale infernale. Les bisous étant trop. Pourquoi j'ai pas compris là, les bisous étant trop. Tu ne pouvais pas claquer la bombe lors de ton passage, histoire de lui déboucher un peu les tympans? Bah si mais j'ai pas eu le temps. Alors on peut le faire là oui. L'idée c'est de faire tout de suite celui-ci. Mais j'ai du mal à viser, hein, voilà, c'est ça aussi. Voilà, elle est quand même assez. Voilà, vous voyez, je joue mal. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et j'ai pas de soins là. Et j'ai l'impression qu'elle joue mieux que tout à l'heure. J'ai plus d'endurance. Non mais là je vais pas pouvoir y arriver, j'ai plus de vie. Non, je vais pas pouvoir y arriver, j'ai plus de vie là. Il se traîne la patte là. Là il va se réincarner là. C'est chaud hein. On peut la tuer la grenade. M'arrangerai moi. Non puis là je me traîne la patte, c'est chaud. Non c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Allez, j'y vais au feeling, j'ai plus de balles. Et en plus... Je sais pas comment je m'en suis sorti.
J'ai plus de balles. Comment je peux faire? J'ai plus de balles. Ah, il y a le fier là. Et évidemment, je vais exploser. Occupe-toi de celui en face du mur. Oui, mais tu sais bien que tout est en feu. Il y a des murs partout. Comment veux-tu que je me resitue, Nyctaras? Occupe-toi de celui en face du mur de feu à la fin. De toute façon, tu y passeras par là. C'est très difficile de quand on lit à la Palestine. À la palestinienne, ouais, j'ai compris. Déjà, faut pas que je perde ma vie. Si on pouvait la friser, qu'est-ce que ça serait bien. En fait, faut faire celui-là en dernier. Parce qu'il nous ouvre. C'est bon, après là on peut accéder au levier. Il y a un tut, non? Je vais le faire exploser le tut. Mais je peux plus passer là. C'est bon. J'ai fait exploser la bombe. Oh, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Putain, on aura passé 15 ans là. Hein. Quand tu me dis que c'est un boss difficile, je me souviens. En fait, ce que je reproche, c'est que l'idée est bonne, mais la caméra est tellement près, on est obligé de mourir et de recommencer pour bien comprendre tout. Personne ne l'a fait du premier coup, ce truc-là. C'est pas possible. Ah, c'est sûr, ça nous oblige à jouer bien. Hein. Bon, on s'améliore, hein, évidemment. On sait jamais par où elle va arriver. Non! Putain, ça m'énerve là, ça me gonfle. Ah mon Dieu! Faut prendre le temps de temps en temps. J'y vais pas tout de suite, elle va m'avoir. Allez! Putain, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Je ne peux pas l'immobiliser. Il faudrait que je la mette sous un truc en feu et que j'y aille. Pourtant, j'avais bien joué là, avec la grenade. J'avais prévu le coup. Oui, mais c'est difficile parce que quand je vise la poignée, je ne la vois pas. Alors, c'est un petit peu au petit bonheur la chance.
Bon, là, je me prépare, je vais peut-être pas parler, là. Là, ça va être du skill pur. Putain, j'ai loupé une balle. Du coup, j'ai plus de balles. Je suis obligé d'aller en chercher là. Et merde! Ah mon dieu, hein. faut s'accrocher, faut s'accrocher. Je vais pas remettre Herbert Léonard. La moindre erreur. J'ai voulu reprendre des balles et. Il te reste pas un électrique? Mais non, non. Alors je vais essayer de voir, mais là j'ai même pas le temps de crafter. Enfin, si, j'ai le temps de crafter. Bon, je vais regarder si je peux faire un électrique. Vous remarquerez à chaque fois ma première réaction elle est négative. Hein. C'est toujours non. Et puis après je me dis, ah bah peut-être oui. Non, je peux pas. J'ai des explosifs, quelque chose. J'ai un explosif pour la retarder un petit peu. Ou sinon, j'y vais à la mitraillette. Hein. La mitraillette, il n'y a pas besoin de viser véritablement. Hein. Voilà. Et oui, voilà. C'est peut-être plus simple. Hein, à la mitraillette, on peut être un peu plus relax. On va faire ça. Hein. Tu vois là. Mais avant, faut que je fasse celui-là. Je l'ai pas eu. Allez, cours! Normalement, il s'est arrêté le truc. Non, attendez. J'essaye de pas stresser. J'essaie de la retarder un peu. Mais quoi? Mais le. Lequel m'a tué? J'ai pas fait là la grenade? J'ai oublié. J'ai tout bien fait, mais j'ai pas fait la grenade. Mais je suis mort 15 fois là! C'est honteux! Ah, c'est pas un passage simple. Non, non, il y a un petit. Je suis obligé de le faire sauter. Ça lui a rien fait. On a eu du bol. Et maintenant? Mais non, putain! Il faut absolument il faut attendre quoi. Oh mon dieu. C'est agaçant là. Dis donc. C'était une bombe. Ah oui, abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais en fait, ça ne lui fait strictement que dalle quand on lui fait exploser quelque chose sur elle. Ça ne la retarde pas du tout. Allez, le levier là, c'est bon. Mais non, je veux pas cramer ça, mais je suis condamné à crever là.
Ça s'arrête pas. Allez, c'est bon, je la sneak. Et là, comment je fais? Il s'arrête pas, le truc en feu. Putain. Oh, mais bon. Moi, je veux bien être gentil, mais à un moment donné... J'ai encore un levier à faire, ouais, mais alors je sais pas où il est. Juste là où, où je suis mort, il y en a un autre. Je le vois pas, moi. J'ai la tête dans le guidon, en plus je stream. Comme je vous dis, je suis dans une obligation de résultat. Et du coup, ça me stresse. Je vais me détendre. Autant que faire se peut. Mais non, mais là, bon... Il y a un moment donné... Je vais bien être gentil. Là, c'est juste pour m'énerver. Là, c'est pour tester mes nerfs, là. Tire pas dans la manif qui ouvre la porte en feu en bas. Ouais. Mais pourtant, je suis obligé de tirer dans toutes les manivelles, non? Dis-moi juste oui ou non, on est bien obligé de tirer dans toutes les manivelles, non? Certaines sont juste pour faire des pièges? Bon, je vais l'attendre, hein. Voilà. C'est chaud, hein. Et là maintenant, je suis bien obligé de tirer dans la manivelle, là. Oh putain, j'ai fait une erreur, là, non? J'ai plus de balles. Mais merde, je me fais cramer! Je peux passer là? Oui! Allez, cours! Je mets ça en feu pour. Au cas où. Allez, cours, Forest! Cours, Forest! Ah mon dieu! Ça casse le côté dramatique. Allez, prends conscience. Et voilà, ce festival. C'est moi qui l'ai fait. Ah, merci de m'avoir supporté. Hein. Dans tous les sens du terme. Allez, cinématique, je fume un coup. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Je sais qui tu es. Seb. Je sais ce que tu désires. Ce que tu crains. Pourras-tu vivre sans remords en sachant ce que je vais te faire faire? Ce pauvre Joseph n'a pas pu. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Salut mon amour, salut Vénus. Ben Joseph, je sais pas. Et merci pour le GG, The Losers Band. C'était trois fois rien. Trois fois rien, ouais. Anecdotique. Formalité.
Ben je sais plus, là, j'essaie de me ressouvenir. Joseph, la dernière fois qu'on l'a vu, il voulait se suicider. Et puis il a été kidnappé. Il a été kidnappé par Anders Breivik, je crois bien. Hein. Bon là, c'était une séquence quand même chaud. Bon, au final, on a recommencé 20 fois. C'est l'obstination qu'a payé, quoi. Merde, je suis revenu là. Bon, vraisemblablement, hein. Pas tout droit. Savoir un peu. Ça va être la fin du chapitre, je pense, non? Tout mène au souvenir d'Anders Breivik. Pas moyen de choper la petite patte griffue pour t'en faire une arme? Non. On n'est pas dans Dark Souls. Alors, peut-être bien. Cinématique. Je refume un coup. Doc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'essaie de nous sauver. Vraiment? Parce qu'on dirait plutôt que vous essayez de faire un autre monstre. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Et moi non plus. Leslie a survécu à cela. Avec succès. Il a déjà été connecté à Ruvik. C'est un cas unique, à ce que je sache. Merveilleux. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il est la clé, inspecteur. C'est notre seule issue. Pas certain qu'il soit la clé, moi. Hein. Mais moi, je rigole pendant que ce pauvre albinos est en train de souffrir. Leslie, est-ce que ça va? Mais pourquoi? Pourquoi ça va pas? Mais oui. Bien sûr. Docteur, vite! Il cherche la même chose que nous. Il veut s'échapper. Mais encore. Bon bah le docteur, à mon avis, il va soigner peu de patients maintenant. Ça va être des consultations très rapides. Vaut mieux avoir juste un petit rhume. Qui se soigne avec une petite aspirine. Je préfère prévenir la clientèle. Oui, entrez. Hé, je sais que vous êtes là. Écoutez-moi, Christina. Oui. Oui, monsieur. Ah, j'aime bien, moi, ces passages-là. Désolé. On se fait ça, puis après, on se laissera là. Oui, oui. Les cinématiques. Ruvik doit être fou de rage. Casser un terminal STEM? J'aurais jamais cru ça de lui. Attendez, un STEM? Oh, il est près du but pour couper tous les liens avec le passé. Tout ce qui lui reste, c'est sa connexion au présent. Au STEM original de l'hôpital. L'hôpital? L'hôpital psychiatrique Beacon? Il sera là. Il l'attend, lui. Si quelqu'un n'y arrive pas en premier, il n'y aura pas d'issue pour personne. Faut surtout comprendre. Hein. Faut surtout comprendre. Breivik, il a cassé le stem, il reste plus que le stem original. Ah, la nurse va nous éclairer. Vous empestez le sang. Ah bah merci. Ah bah bravo. On veut des éclaircissements, elle nous dit qu'on pue.
Merci bien. Bon, bah on va pouvoir sauvegarder ici. C'est la fin du chapitre, hein, évidemment. Bon, on a quoi? On a streamé 1h50. 1h50, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, c'est pas sérieux. Vous êtes pas sérieux. Vous me poussez à avoir une vie sociale déplorable. Comment je vais faire, moi, avec ma femme, là? Elle a deux doigts de faire sa valise. Elle est même obligée de venir sur le chat pour me dire « Romain vient de coucher ». Je suis pas aidé, voilà. Je suis pas aidé. Pourquoi il n'y a pas de chat? Ah bah parce que tous les messages ont disparu après une minute, évidemment. Écoutez, je vais vous souhaiter une... Pauvre petit bichon, voilà. Non mais je m'inquiétais de ne pas voir le chat, mais parce que j'ai mis un nouveau truc. Les messages disparaissent au bout d'une minute, minute 20. C'est pour que ça soit plus propre sur l'image. Oh, enfin bon, c'est les petites magouilles des streamers. Bon bah écoutez, je vous souhaite je vous remercie d'avoir été là, il y a eu du monde, bon il y a toujours des gens manquants à l'appel, mais c'est bien au moins, il y a un turnover maintenant, parce que là je crois qu'on a 35 abonnés, ce qui me fait très plaisir, donc il y a un turnover, les gens viennent, les gens viennent, ils chient un coup, ils repartent, il y en a d'autres, bon, hein, c'est une grande famille. Bon, je veux remercier The Losers Band, hein, qui m'a supporté pendant toute cette run, hein. C'était pas simple en plus, on a eu beaucoup de soucis, et puis bien sûr Nick Taras, et Samus Aran. As-tu acheté une Nintendo... Ah oui, alors Samus Aran, oui, qui me pose souvent la question. As-tu acheté une Nintendo Switch pour Eve, alors, Nick Taras? Hein, on veut cette réponse avant de lâcher le live. Hein. Une bonne soirée à toi, mais à toi de même, The Losers Band. Et demain, chapitre 11, oui. Allez, Nick Taras, il est en train de nous écrire un roman pour nous expliquer pourquoi il a pas voulu acheter. Parce qu'il est radin comme un... Hein, il est radin comme Picsou. Allez, juste ça, puis on va se laisser. Alors, Nick Taras, c'est quoi ton excuse de ne pas avoir acheté une Switch pour ta fan? Parce que je suis radin comme Picsou. c'est sur cette excellente excuse que je valide à 100% que je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Et je vous dis à demain 21h30. Je vous embrasse tous. Merci encore. Tchuss. Original sin. However,